Bonsoir, voici le bulletin de ce mercredi 9 octobre en fin de journée. Les conditions météorologiques resteront plutôt instables et surtout fraîches durant ces prochains jours. On se méfiera d'une dégradation orageuse qui devrait menacer principalement les régions du nord en marge d'un centre dépressionnaire situé sur la Belgique. Vous le verrez dans quelques instants. En tout cas, pour demain matin, nous retrouverons des conditions plutôt mitigées. Dans un premier temps, près des côtes de la Manche avec quelques éclaircies. Des éclaircies également qui intéresseront les Pyrénées et les régions proches de la Méditerranée, entre deux un ciel assez couvert avec quelques faibles précipitations pour les températures du petit matin elles sont assez fraîches au lever du jour avec seulement 3 degrés sur Charleville-Mézières, 6 dans la capitale 10 degrés du côté de Brest 11 du côté de Biarritz et on ira jusqu'à 14 du côté de Marseille pour votre après-midi, une masse d'air assez instable englobera la majeure partie du territoire avec des averses souvent orageuses et puis entre deux on aura le retour de quelques éclaircies notamment sur le bassin parisien. Pour les températures de l'après-midi, elles sont très basses pour la saison, seulement 10 degrés euh, du côté de la métropole lilloise, 14 dans la capitale, 15 au pied des Pyrénées, 20 degrés euh, près euh, de la Méditerranée. Pour les prochains jours, regardez, on va retrouver euh, des conditions globalement euh, calmes sur les régions euh, du sud avec quelques éclaircies, des températures qui resteront ma foi inférieures au normal de saison. Et sur la moitié nord, on aura euh, davantage de nuages avec des averses souvent euh, orageuses et puis les températures qui resteront très basses. En revanche, sur ces régions, on n'aura pas plus de 13 degrés au meilleur euh, de l'après-midi. On espère toutefois le retour des haute pression mais pas avant jeudi prochain avec davantage de soleil et des températures qui devraient repartir cette fois-ci à la hausse. Demain nous serons le jeudi 10 octobre nous fêterons les guilins. Si vous désirez plus de détails pour votre commune vous avez plusieurs solutions, nos répondeurs, notre site internet, notre groupe Agatadim. Passez une excellente soirée et à demain.